Et c'est le quatrième échange, je crois. Donc, on est heureux de vous accueillir. Alors, heureux d'accueillir Massimiliano. Dimax, c'est peut-être plus simple. Oui, c'est plus simple. Je suis arrivé à dire Massimiliano. Et Brigitte qui accompagne. C'est la deuxième fois que vous voyagez. Oui. Et vous, la quatrième. Depuis le début, vous êtes ouais. avec nous. Et merci à Madame Affré, à Madame Gonzalez. Elle a accueilli les quatre la longueur, le temps, hein, c'est quand même 2 fois 10 jours, on va dire, à peu près 20 jours de rencontre. On parle italien, on parle français, ça permet le progrès aux jeunes italiens, le progrès aux jeunes français. Et puis, nos cultures sont tellement proches. Et c'est vrai que notre ville est tellement belle. Et Arezzo, que je ne connais pas encore, mais il faudra que je connaisse, c'est tellement beau, c'est la Toscane, presque. Donc, c'est beau et ces deux pays qui méritent de nouer encore plus de liens dans la tradition habituelle des échanges franco-italiens. Voilà, on est heureux de cet échange. Merci beaucoup. Merci toujours de... Est-ce un livre ou des chocolats? Non. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est une surprise alors. Ouais. Ah, peut-être que. Non. C'est une vierge à l'enfant. De. C'est non, mais vierge à l'enfant, il y a un auteur particulier. Il n'y a pas d'auteur particulier. Non. Voilà. Et avec la plaque des deux établissements derrière, le logo des Minimes et le logo du collège lycée d'Arezzo. Merci beaucoup. Effectivement, un échange, c'est qu'est-ce que c'est finalement? C'est un échange linguistique, forcément, où on peut pratiquer la langue et du coup faire des progrès, que ce soit en italien ou en français. C'est un échange qui est culturel. On découvre le pays avec ses aléas parfois météorologiques, certes, voilà, avec un mode de vie différent, peut-être un lever plus tôt par rapport à... Pour la patience, parce que les Italiens ne sont pas faciles, ils sont très gâtés, les mamans sont partout, ils contrôlent les téléphones, etc. Donc vous avez dépassé. J'ai vous consigné des jeunes hommes et j'ai trouvé des grands hommes maintenant. Hein. Vous avez grandi. Merci à la France, vive l'Europe. On est à la fin de l'échange. Il a bien réussi. Qu'est-ce que vous dites de l'échange? Qu'est-ce que tu dis de l'échange? Qu'est-ce que tu dis de l'échange? Très beau. Qu'est-ce que tu dis? Un discours. Comme on veut, c'est quelque chose qui nous a touché un peu, mais c'est quand même bien aussi. Ça va, t'as bien. Et toi? Super. Merci. Il a été très drôle. Il est comme nous, Artus, qui est un très grand garçon. Ton grand frère. Un grand défaut, c'est qu'il est pour l'OL, mais bon. Et bon. Toi? Et tu as appris à cuisiner. Les chants et la façon de connaître notre langue. Et on apprend beaucoup de choses. Voilà. Et oui.
Et toi, qu'est-ce que tu dis, Monsieur Perroquet? C'était une expérience très jolie. Et à tout le monde. Une expérience formidable et très bien. D'accord, merci. Hein? Stop. Ange? Que c'est toujours une belle expérience linguistique, culturelle et aussi humaine avec des élèves super qui sont rencontrés, qui ont miracle, en italien. Che lo scambio è un'esperienza perfetta per la lingua, anche per l'apertura, è sempre una bella esperienza. Merci, madame. Prego. Affetto.